pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai eu l'envie de vous filmer, je pense, aujourd'hui et demain. Là, nous sommes mercredi 16 janvier pas grand chose de prévu. Je vous prends assez tard, il est midi et demi, je suis en train de faire à manger pour bébé et moi. J'ai reçu un petit colis, donc je vais vous montrer ça. C'est juste des capes de bain pour futur bébé 2. Et du coup, je vous filme un petit peu parce que j'avais envie de vous parler. Et à vrai dire, j'ai déjà deux vidéos, donc je sais pas quand ce vlog sera sur ma chaîne, parce que j'ai déjà deux vidéos en attente. Une vidéo sur les produits terminés, enfin que vous aurez déjà vu. Une vidéo sur haul solde, tout simplement, que j'ai fait. Donc peut-être qu'elle sera avant ce vlog ou après. Du coup, peut-être après ce vlog, et cette semaine, je vais peut-être faire deux vidéos du coup. Ouais, peut-être que ce vlog sera posté samedi, bref, vous verrez bien. Et en tout cas, demain, j'ai prévu, là cet après-midi, il y a une copine qui vient avec ses filles. Copine. Et hier, j'ai eu mon premier rendez-vous de cours de préparation à l'accouchement. Du coup, c'était ma copine qui avait gardé ma fille pendant, une heure et demie. Je vous pose un petit peu là, si je veux voir. C'était Fana maman, oui. Oui, Patina. Non, c'est pas Athéna. Et Athéna V. Athéna quoi? Athéna V. De quoi? Il est nu. Ah, il est tout nu, oui. Il est tout nu, bébé. Il faut trouver des habits sous ses habits. Pas. Ou une couverture. Une couverture? Pas. Tatina. Athéna, tu dis bonjour? Non, touche pas. Du coup, cet après-midi... Arrête! Du coup, cet après-midi, j'ai ma copine qui vient, je vais faire une galette chocolat banane. C'est ce que j'avais fait quand il y avait mon père qui était venu pour la galette des rois. J'en avais fait une avec mes beaux-parents où c'était pomme caramélisée et c'était pas terrible, pomme noisette caramélisée. C'était pas terrible. Et chocolat banane, ça y était. Donc là, je vais refaire chocolat banane en plus avec ses filles. Enfin, je pense qu'elles seront contentes. Quoi qu'il y en a peut-être une qui aime moins le chocolat. Je sais plus. Enfin bref, on verra. Je vais faire ça après. Là, on va aller manger. Je vais vous montrer les capes de bain que j'ai reçues, parce que j'ai fait une grosse commande chez Auchan. J'ai pris livraison gratuite en magasin. Faut que j'aille demain chercher. Donc demain, j'irai manger chez ma grand-mère. Et en même temps, j'ai la toxo. Ouais, je vais en profiter pour faire ma prise de sang toxo. Parce que ça, ma fille, ça dérange pas qu'elle soit avec moi pour faire la prise de sang. Je vais faire ça. Ensuite, je suis en arrêt du coup maternité. Donc du coup, il faut que je poste mon papier comme quoi je suis en arrêt maternité. Et du coup, j'ai le colis à aller chercher. Et je pense que le soir, avec le chéri, on fera les courses s'il rentre pas trop tard. Voilà, parce que du coup, je me sens plus capable là, de faire les courses toute seule. Et puis là, je vais pas demander à ma grand-mère, sachant que j'ai la petite et tout, de m'aider avec le caddie, etc. Et puis c'est même pas... Si, c'est question du caddie, et après c'est question de quand je suis chez moi pour tout porter. Donc je fais des allers-retours et puis j'en peux plus. Du coup, je vous disais, pour chez Auchan, j'ai commandé pour presque 200 euros, je crois. Presque 200 euros j'ai commandé au lieu de 400, enfin bref, ça valait vachement le coup sur Auchan. Même Tati, j'ai pas trouvé énormément de choses, donc vraiment j'ai commandé tout pour les petits chez Auchan. J'ai pris un nouveau matelas allongé parce que celui de ma fille il est tout craqué, etc. Et des capes de bain parce que ma fille j'en utilise encore, elle a 3 capes de bain que j'utilise encore tout le temps, plus des serviettes normales. Et donc là j'ai pris des capes de bain et là j'ai reçu ça chez moi parce que tout simplement c'est pas le même vendeur, enfin c'était pas Auchan, c'était un vendeur je sais pas, différent de Auchan, mais dans le magasin Auchan, enfin j'ai pas trop compris, mais des fois c'est à part. Et du coup c'était à 5,63€ je crois la cape de bain, avec le gant je crois, peut-être avec, je sais pas, mais je m'en fiche du gant, j'en ai plein en réserve. Et du coup ça valait vachement le coup, mais j'ai dû payer 7€ de frais de port pour que ce soit livré chez moi, parce que du coup en magasin il faisait pas. Il faisait un point retrait, mais impossible de noter le point retrait que je voulais. Ça a bugué, donc du coup, au lieu de payer 4€ de point retrait, j'ai dû payer 7€ pour la livraison. Mais c'est pas grave, vu que les capes de bain, elles valent même pas 6€. Donc ça vaut vachement le coup. La fille fait le clown, alors il va y avoir plein de coupures. La fille est cool. Tu fais le clown, oui. Donc voilà, la première cape de bain, c'est une cape gris clair. C'est marqué j'aime ma maman, voilà tout simplement. La deuxième cape de bain, c'est un petit ours et c'est un, je dirais un beige jaunâtre. Ouais, je sais pas comment je pourrais dire cette couleur, c'est un petit peu un genre de beige jaunâtre.
Voilà, c'est un petit ours et c'est marqué « J'aime maman et papa ». Et ensuite, la dernière cape de bain, c'est donc une bleue et c'est marqué « Je suis un petit prince ». Donc voilà, je l'ai trouvée mignonne, toute simple et franchement, ça vaut le coup hein, pour 5 euros. Hello les filles, donc il est 13h30, j'attaque la galette avec ma fille. On va faire... Au chocolat, on va faire ? Oui. Oui. La faire. On va faire donc une galette des rois chocolat banane parce que ma copine arrive avec ses filles vers 15h. Oui, c'est chaud, touche pas mon amour. Du coup, on a fini de manger, on a mangé cordon bleu. Enfin, c'est un croque poulet, c'est un peu pareil. C'est un peu moins bon que le cordon bleu. Moi, j'aime bien le cordon bleu. Ensuite, du blé et elle a mangé un petit yaourt parce qu'en ce moment, le fromage, elle a un petit peu du mal. Enfin, hier, elle en a mangé sur du pain, ça va. Mais du coup, un petit yaourt bio et puis une poire. On a mangé une poire. Donc, voilà. C'était bon ? Oui. Donc elle vient de jouer à Sonic un petit peu parce qu'elle a été super sage depuis ce matin avec elle de parler, de bien essayer de parler, d'être gentille, elle m'aide à ranger et tout. Elle me dit merci à chaque fois Mimi, tout le temps. Dès que je lui donne quelque chose, je lave sa table pour manger ou tout ça, elle me dit Mimi toute seule. Enfin, très polie, mon amour, très gentille. Du coup, elle m'avait réclamé Sonic et puis comme promis, je lui ai mis Sonic du coup. C'est sur mon portable, c'est un petit jeu et elle me fait trop rire parce qu'elle arrive bien à jouer. Là, elle a presque fini la partie entièrement. Elle a réussi à faire le deuxième tour avant de perdre. Et sinon, bon, à chaque fois, elle se prend les bêtes ou tout ça. Et donc, en fait, pour changer, bah, chaque fois pour jouer ou pour faire suivant, etc., c'est un petit rectangle vert en bas à droite. Mais comme par hasard, c'est fait exprès, le moment venu où c'est choisir une démo, donc la démo gratuite ou le jeu payant. Du coup bah là le jeu payant ils te le mettent à droite en rectangle vert. Là du coup elle est obligée de cliquer sur le bleu et du coup elle sait très bien que quand c'est le gros rectangle c'est pas le vert qu'il faut appuyer parce que sinon tous les boutons c'est vert, mais quand c'est le gros rectangle bah c'est le bleu qu'il faut appuyer et de l'autre côté. Du coup elle a très bien compris ça et à chaque fois elle appuie elle fait vert, vert, bleu. Et en disant les couleurs et tout, enfin vraiment très contente. Les couleurs tu connais bien maintenant. Oui. Là c'est bien. Tout, le jaune, rouge, vert, il n'y a que le violet qu'elle assimile pas trop. Oh. Orange ça va, c'est bien. Marron aussi parce qu'on n'a pas trop fait. Et puis là je commence à lui faire le blanc et le noir. Le blanc elle a quand même compris en pas longtemps là. Donc bon voilà. Elle est encore dedans. Oya. Non. T'en as mangé un déjà. Mais là. Voilà mon cœur. Tu mets dedans mon cœur. Non. Tu peux mettre dedans. Maman fait. C'est maman fait.
Les copines. Les copines. Bonjour, tu vas faire bisous. Bonjour. T'avais tout fini, bravo. Tu ranges? Oui, non. Ballon. Bravo. Loup. C'est un volant. Papillon là, oui. Nuage, très bien. Papillon. L'avia. L'avia, il y a. Ah oui, l'oiseau, il est là. Très bien, mon gars. Nané, bon nané, Olaf. C'est Olaf, oui, très bien. Bon nané. Et là, fichu. C'est le cadre. Cadre. Oui. Et là. Très bien. Ah, tchoum. Ah, t'es souhait. Bobo n'est là. C'est monsieur bien, est oui. Monsieur est mort. Le monsieur mange la glace. Cola. Oui. Coucou les filles, donc aujourd'hui nous sommes jeudi 17 janvier. Du coup il est 14h30, je vous prends assez tard, je vous ai filmé vite fait ce matin des petits passages de ma fille qui est en train de jouer, donc pour les couleurs, c'était vraiment super, elle a bien fait le papillon et tout, des fois elle se trompe vite fait, mais sinon elle s'est très bien, des fois fait exprès un peu. Donc c'était super. Ensuite elle a fait ce petit livre, donc là du coup je suis pas chez ma grand-mère parce que du coup le chéri il était là et j'ai trop, et en plus ça tombait bien parce que là ce matin j'ai super super mal au ventre, enfin en fait c'est en bas du ventre, c'est pas les contractions tout ça, c'est en bas du, tout vraiment en bas ventre, j'ai l'impression que je sais pas, mon fils est descendu, pourtant mon ventre il a pas bougé apparemment. Mais voilà, ça me fait des douleurs ligamentaires atroces, vraiment tout en bas du ventre. C'était horrible ce matin. Je marchais, mais j'avais super du mal et j'ai même crié un petit peu des fois au mouvement que ça me faisait mal alors que c'est pas mon genre. Mais franchement, ça faisait super mal. Après, je suis restée un moment assise et tout à attendre. Et après, là, ça s'est passé un peu mieux. Donc, du coup, on a été tranquillement faire les courses et tout. Voilà, enfin, vraiment, si ça allait pas, sinon je l'aurais laissé aller, comme il m'a dit. Mais voilà. On aime bien faire les courses un peu soi-même. Du coup, j'irai demain chez ma grand-mère. Et puis là, on va quand même partir à Auchan après cet après-midi pour aller chercher les colis. Comme ça, ce sera plus simple que si j'allais demain seule avec ma fille. Comme ça, voilà, demain, je vais juste manger chez ma grand-mère. Et puis, j'irai faire ma toxo avant. Là, il faut qu'on aille à la poste et à Intermarché aussi. Parce qu'en fait, à Leclerc, il n'y a pas du tout de serviettes, de grosses serviettes hygiéniques pour la maternité. Enfin, il y en a, mais 5 euros le paquet de 20, quelque chose comme ça. Des fois, ça monte à 8 euros ou... Enfin, 4,50, quoi. Entre 4,50 et 8 euros. Alors que je sais que à Intermarché, de la marque Top Budget, j'en avais eu 30 pour même pas 2 euros, je crois. Donc, ça valait le coup. Pour l'utilité qu'il va y en avoir pour la maternité, quoi. Ça suffira. Ensuite, je voulais parler de ce petit livre que vous avez dû voir avant. C'est un petit livre que ma copine... a prêté pour ma fille, elle a prêté plein de petits livres Tchoupi et celui-ci de Reine des Neiges, vu qu'elle adore la Reine des Neiges, ma fille. Et en fait, c'est un petit livre où il faut chercher des objets. Donc du coup, il y a certains objets où c'est un peu minutieux, tout petit ou tout ça, comme des flocons de neige ou tout ça. Mais là, avec les animaux et tout, elle a super bien repéré. Et des fois, ma fille, elle le regarde toute seule et donc elle met le doigt sur là le rectangle blanc pour montrer l'animal qu'elle cherche. Et hop, elle remet le doigt où elle a trouvé. Donc enfin, franchement, c'est super. Et donc ça, elle arrive bien cette page-là, elle reconnaît vraiment tout. Il y a des pages après qui sont un peu plus dures. Là, les lucioles, c'est trop dur, j'essaye même pas de lui faire, ça sert à rien. Enfin,
les poissons et tout, enfin là, elle reconnaît bien. Les glaces, elle a bien réussi à reconnaître aussi. Parce que bah du coup, elle a vite mémorisé où c'était alors que c'est assez petit. Ça aussi. Enfin, franchement, voilà, on a fait deux fois l'après-midi qu'elle l'a eu. Elle l'a eu mardi. Et au final, après, le lendemain, hier, elle faisait bien toute seule, ce matin aussi. Donc du coup, moi, avant qu'on aille à Auchan, Intermarché, du coup, je pense que je vous filmerai quelques petits passages, comment ma fille marche ou je sais pas. Sinon, je vous filmerai demain. J'ai le linge propre à ranger. J'ai fait une lessive ce matin, mais ma fille et le chéri m'ont aidé à l'étendre. Et puis, il y aura la vaisselle à faire, mais je pense que je la ferai ce soir. Donc là, on vient de manger des bonnes pâtes au merguez. Ce soir, c'est soupe et rôti de dinde, comme ça, voilà, ce sera plus light. Demain aussi, ce sera soupe. Donc du coup, mon ventre, j'espère que ça va aller. Ça va un peu mieux, mais c'est vraiment la cata dès que je bouge, en fait. Dès que, si je croise une jambe, laisse tomber. Si je m'assois, je me relève, enfin bref. Donc on verra. Mercredi prochain, j'ai mon écho de contrôle. Donc comme ça, on verra si j'arrive à boire un peu plus d'eau et qu'il y ait un peu plus de liquide amniotique. Mais voilà, là c'est vraiment des sensations bizarres, mais c'est pas des contractions et tout, donc je m'inquiète pas. Mais j'ai vachement l'impression qu'il est descendu bas ou je sais pas. Enfin, c'est bizarre depuis ce matin. Même cette nuit ça allait, mais c'est vraiment ce matin, donc bon, je sais pas. Les filles, donc il est 20h, je clôture ce vlog parce que du coup j'ai trop parlé avec hier aujourd'hui. Donc là je suis en train, il y a le rôti qui est en train de cuire et je fais cette soupe bio, enfin je fais, c'est du tout fait, mais voilà, c'est ce qu'on va manger ce soir. Et je voulais vous montrer, je les ai trouvées, en fait c'est celle que j'avais prise pour ma maternité pour ma fille en fait. Et du coup là j'ai repu pareil, c'est 64 centimes alors que à Leclerc on trouve rien en dessous de 4,50. Donc voilà, je clôture ce vlog, je suis juste KO, je reste coincée par terre si je joue avec ma fille, enfin bref, j'ai super mal vers le bas du bassin, enfin le bas ventre, vers les parties, enfin j'ai l'impression que j'ai le bassin tout déboîté en bas. Donc bon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mince, je regardais du mauvais côté.